Ora la parola al professore Over, che però sarà presentato dal padre. Due Barbiero. Parole di presentazione, il caro amico Jean-Marie Over, che è professore di, non di Bibbia, ma di patristica e filologia greca, del greco o del naturalmente biblico, a Louvain-la-Neuve. Dunque, due amori, ecco, quello della patristica, patrologia, e quello dei salmi, direi, in particolare. E direi che il primo amore è quello dei salmi. E lui mi ha inviato la sua tesi, non è stata pubblicata, ma me l'ha inviata, me ne avete dato una copia, perché anch'io mi interessavo di questa tesi. Il titolo è Le sottie ébraïques et ses éditeurs, recherche sur une forme canonique du livre des Sommes. E cioè il tema appunto è uno dei primi lavori nel senso dello studio del Salterio come libro, come forma canonica. Ecco. Questa non è stata pubblicata, ma è stata pubblicata poi un libretto prezioso, ecco, La composition littéraire du Psautier, un état de la question. E un libro senza tante pretese, ma lo definiva così Xellman, diceva «An invaluable handbook for the study of the Psalter», uno strumento fondamentale per lo studio del Salterio. Veramente è una sintesi preziosa. Ed è interessante che è dedicato a Raymond Tourné, che è stato è un grande ecco, della ricerca all'École biblique, ed è stato appunto uno dei maestri proprio nello studio dei salmi. Il primo è stato Bogaert, mi pare, no? Ma poi ha passato un periodo all'École biblique e è rimasto discepolo proprio di Tourné in questo studio dei salmi, anche se Tourné non aveva questo approccio, diremmo, canonico, ma è riuscito a convincerlo. È vero, no? Sì. Ecco. E, dal punto di vista patristico, lui... tra l'altro una delle cose più interessanti che sta facendo è la pubblicazione della Bibbia d'Alexandrie, in cui studia per ciascun libro, c'è una monografia, e lui in particolare ha curato lo studio del Cantico dei Cantici. Ecco un altro studio che ci accomuna, perché non solo ha curato il Cantico nei 70, ma anche ha curato la interpretazione patrologica del cantico. Uno dei suoi ultimi lavori è l'interpretazione di Cantique de Cantique attraverso le scène exégétiques grecques, cioè questo amore per il cantico nella tradizione patristica greca. Ecco, io finisco qui. Il tema suo, voi sapete, se l'avete davanti, è Dai Salmi al Salterio. Grazie mille, caro collega, per queste parole di benvenuto e per questa presentazione elogiosa. Avrei voluto che questa comunicazione fosse il mio primo intervento pubblico in italiano, ma le prove e tentativi fatti a fronte di un pubblico limitato ma d'elezione, la mia donna, il mio primo amore, mi hanno convinto era necessario rinunciare. Capirete il mio francese molto più facilmente dal mio italiano, ancora balbettante, quasi un'insulta alla lingua di Dante e di Manzoni. In ogni caso avete a disposizione una traduzione in italiano e ringrazio di cuore la persona che è stata così gentile di tradurre il mio testo senza tradirlo. Pour introduire mon sujet et faire comprendre l'enjeu de ce dont il va être question, je voudrais vous proposer de faire un exercice. Ensuite, pour vous récompenser de l'effort, je vous raconterai une parabole et une anecdote. D'abord, l'exercice.
représentez-vous par la pensée une statue du prophète Élie? Qu'avez-vous devant les yeux, en imagination? Une statue d'Élie, bien entendu. À présent, imaginez, à côté de la statue d'Élie, une statue de Moïse. Qu'avez-vous devant les yeux? Certes, vous avez deux statues, une statue d'Élie, une statue de Moïse, mais Moïse et Élie, c'est la loi et les prophètes. Le rapprochement des deux personnages fait en sorte qu'ils représentent plus qu'eux-mêmes. Et maintenant, imaginez entre les deux une statue de Jésus-Christ et vous obtenez une transfiguration. Le tout est plus que la somme des parties. Appliquons ceci au psautier. Quand je lis le psaume 120, je lis un psaume. Quand je lis les 15 psaumes démontés, je ne lis pas seulement un premier psaume, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Je lis une séquence où les pièces successives se mettent à prendre sens les unes par rapport aux autres et à former un ensemble ayant sa consistance propre. Voici à présent la parabole. En 1873, au cours d'un voyage en Angleterre, Arthur Rimbaud remet à Paul Verlaine trois feuillets écrits de sa main. Ces feuillets offrent la particularité de présenter au recto des textes en prose qui se rapportent au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Ce sont les esquisses d'un commentaire du quatrième évangile auquel le jeune homme de 19 ans ne travaillait pas davantage. Au verso se lisent des brouillons de pièces intitulées « Mauvais sang » et « Fausse conversion », poèmes qui ont été intégrés au recueil « Une saison en enfer ». D'un côté, donc, l'œuvre chrétienne, pieuse, si on peut dire, de l'autre, des phrases comme « J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite, la maladresse dans la lutte. Deux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure. » C'est Rimbaud qui parle. Et surtout, mensonges et paresse. De la sorte, l'œuvre païenne et poétique tourne le dos à l'œuvre chrétienne et prosaïque, et ce constat matériel a alimenté des réflexions sur le lien entre poésie et paganisme dans l'esprit de Rimbaud. Et à partir de là, on a pu ébaucher une réflexion très ambitieuse sur les rapports entre christianisme et paganisme chez le poète maudit, comme on dit. En tout cas, se trouvant écrits ensemble dans l'espace des feuillets manuscrits comme dans le temps de l'écriture, ces textes, malgré leurs différences de contenu et de style, doivent pouvoir être lus ensemble, et les éditeurs de Rimbaud ont une responsabilité toute particulière, puisque les proses évangéliques ne s'offrent pas à la lecture de la même manière si elles sont publiées isolément ou en annexe à « Une saison en enfer ». Berrichon, dans son édition de 1912, avait fait des proses évangéliques une préface du recueil, ou encore si elles sont jointes aux illuminations sous prétexte de parenté thématique. Voilà autant de cadres de lecture différents. Si je trouve cet exemple éclairant pour introduire mon propos,
C'est parce qu'il montre, avec toute la clarté souhaitable, que la disposition des pièces dans un recueil littéraire constitue une première donnée pour leur interprétation. Cela est vrai aussi du psautier. Le fait même qu'il y a un livre des psaumes oblige l'interprète à se tenir non seulement devant les poèmes individuels, mais aussi devant l'assemblage final où les éléments se sont mis à exister les uns pour les autres et pour le tout dont ils sont devenus les parties. Appliquons une fois encore ceci à un psaume. Le psaume 137, au bord des fleuves de Babylone, évoque avec tristesse le temps de l'exil, où on ne pouvait pas chanter un cantique du Seigneur parce qu'on aurait profané son nom en le prononçant sur une terre étrangère, païenne, souillée par le culte des faux dieux. Le psalmiste garde une rancune terrible à l'égard des oppresseurs de jadis. « Fille de Babel, la dévastatrice, heureux qui te revaudra le mal que tu nous as valu, heureux qui saisira et fracassera tes petits-enfants contre le roc. » Tels sont les derniers mots du psaume, paroles terribles que l'on ose à peine prononcer. Mais ce n'est pas le dernier mot du psautier. Le psaume suivant tient un tout autre langage quand il s'adresse au Seigneur. « Je te célébrerai de tout mon cœur, en face des dieux, Neged Elohim, je crois qu'on peut traduire ainsi, je psalmodierai pour toi, je me prosternerai devant ton temple saint, je célébrerai ton nom pour ta fidélité et ta royauté, car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. Tous les rois de la terre, Seigneur, te célébreront quand ils apprendront les paroles de ta bouche. » L'attitude du psalmiste est celle de Daniel, qui, à Babylone, se tourne vers Jérusalem à l'heure de la prière et se prosterne ainsi dans la direction du temple. Le psaume 138 est la prière d'un juif de la diaspora qui, là où il se trouve, se sent en droit de célébrer le Seigneur et de psalmodier pour lui en face des divinités païennes locales, comme pour leur tenir tête, en se prosternant vers le temple de Jérusalem. Ici, l'espoir n'est plus que Babylone soit dévastée avec tous ses habitants, mais que tous les rois de la terre célèbrent le Seigneur en entendant les paroles de sa bouche, paroles que les Juifs restés dans la diaspora ont pour mission de faire connaître. La théologie du psaume 138 est une théologie d'ouverture et d'un certain universalisme que l'on couvre par le titre de l'autorité de David pour l'opposer à la théologie, disons, sioniste du psaume précédent. Dans le cadre d'une lecture continue, la finale du psaume 137 n'est pas le dernier mot de la prière, mais un moment où le cœur est tellement lourd qu'il a besoin d'évacuer la rancune. L'appel au châtiment correspond à un moment où le désir de vengeance doit sortir du cœur pour que celui-ci puisse à nouveau être habité par la louange. Voici enfin l'anecdote promise. Lorsque je suis arrivé comme étudiant à l'École biblique de Jérusalem en 1990, j'ai expliqué au père Raymond-Jacques Tournet, qui enseignait les psaumes et les sapientiaux, que mon projet à long terme était d'étudier la configuration littéraire du livre des psaumes et que je voulais consacrer mon mémoire au psaume 72, « Ô Dieu, donne au roi tes jugements », au psaume 72, comme conclusion du deuxième livret du psautier.
C'était une manière d'entrer dans la problématique que je voulais étudier. Le père Tournet m'a répondu que ce projet n'avait pas de sens. Le psautier, m'a-t-il dit, n'est pas un livre comme les autres. C'est une collection, et même une collection de collections, alors. Ce mot « alors » voulait dire que, puisque le psautier est un recueil de recueils, sa composition ne correspond pas à un programme délibéré. Il est simplement le résultat d'une accumulation successive de psaumes. Au fond, le père Tournet s'intéressait aux psaumes pris individuellement et à leurs auteurs, alors que je voulais m'intéresser au recueil et à ses éditeurs. Face à mon entêtement, le père Tournet m'a finalement autorisé à traiter le sujet à titre expérimental. Lorsqu'il a eu à juger du travail achevé, Raymond-Jacques Tournet a bien voulu me dire que je lui avais ouvert les yeux et que, effectivement, on ne peut pas interpréter le psaume 72 sans tenir compte de la place qui est la sienne dans le psautier. C'était pour moi une belle victoire. Mais si je rapporte cette anecdote, c'est surtout pour montrer comment un spécialiste réputé du psautier comme le père Tournet a découvert sur le tard, mais avec intérêt, la problématique dont je voudrais vous parler. Mon exposé comprendra trois parties. La première est surtout diachronique et concerne les débats en cours sur l'histoire de la formation du psautier. La deuxième est synchronique. L'organisation du psautier correspond-elle à un programme ? Le psautier propose-t-il à ses lecteurs de parcourir un itinéraire ? Et si oui, quel est le message à découvrir au long du parcours ? Enfin, dans quel milieu faut-il situer l'édition finale du livre des psaumes et à quel lecteur est-il destiné ? Dans la deuxième et la troisième partie, je fournirai une synthèse des travaux que j'ai publiés entre 1994 et 2011. Depuis 2011, je ne suis plus actif sur ce chantier. Je suis convaincu d'avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à dire et de n'avoir plus rien de neuf à proposer dans ce domaine. Donc je ne discuterai pas ici les objections que David Wilgren, dans sa dissertation défendue à Lund et publiée en 2016, a émise contre la possibilité d'étudier le psautier comme un livre. Premier point, la formation du psautier. Les exégètes de la génération du père Tournet avaient sur l'histoire de la formation du psautier des vues qui paraissent aujourd'hui rudimentaires. On savait bien entendu que l'assemblage final des 150 psaumes avait été précédé par des collections plus petites. Mais dans les années 1950, par exemple, on se représentait l'histoire de la formation du psautier d'une manière qui aujourd'hui nous paraît simpliste. La première édition de la Bible de Jérusalem en un volume, 1956, a été précédée par une édition de 43 fascicules. Dans l'introduction du fascicule consacré au psaume, 1950, on explique que le psautier aurait été constitué par la réunion de trois grands recueils. Le premier, qui comprend les psaumes 3 à 41, attribués à David, est une série yaviste. Le deuxième, psaume 42 à 83, est une série éloïste suivie d'un appendice yaviste contenant des psaumes de Corée, de David, d'Ethan. Le troisième recueil, psaume 90 à 150, n'a que 7 fois Éloïe. Cette manière de présenter l'histoire de la formation du psautier sur la base de la fréquence d'emploi des noms divins
est évidemment calqué sur une représentation datée de l'histoire de la formation du Pentateuque. Cette hypothèse est aujourd'hui dépassée par l'évolution de la recherche, en particulier pour ce qui concerne les psaumes 90 à 150, dont plus personne, je pense, n'estime qu'il ait constitué un troisième recueil autonome. Où en est-on aujourd'hui ? J'ai dressé un état de la question qui se voulait exhaustif jusqu'à la fin du XXe siècle dans mon ouvrage « La composition littéraire du psautier ». On pourra le compléter avec l'article que Eric Zenger a publié dans les actes du Colloquium Biblicum Lovaniense, intitulé « The Composition of the Book of Psalms » 2010. Dans le cadre de cet exposé, je présenterai l'hypothèse de Frank Lothar Hossfeld, décédé en 2015, et d'Eric Zenger, décédé en 2010, dont on trouve la synthèse dans leur monumental commentaire du psautier qui a marqué durablement l'histoire de la recherche, et je confronterai cette hypothèse à quelques autres. Le point de départ de la méthode de ces deux auteurs, Zenger, le pape de l'exégèse allemande, Hossfeld, son secrétaire d'État, le point de départ de la méthode de ces deux auteurs est assez classique. Il consiste à repérer les éléments secondaires dans le texte actuel des psaumes. Depuis longtemps, les commentateurs admettent la présence de gloses et d'ajouts dans le psautier. L'apport décisif des travaux de Hossfeld et Zenger est de faire voir que ces éléments secondaires gagnent à être situés dans le cadre de campagnes systématiques de relecture correspondant à telle ou telle phase de l'édition du recueil. L'originalité consiste donc à partir des éléments adventices, non seulement pour établir l'histoire de chaque psaume pris isolément, mais aussi et surtout pour reconstituer les étapes de la formation, les étapes successives de la rédaction du psautier dans son ensemble. Frank Lothar Hossfeld et Eric Zenger ont ainsi réussi le pari de montrer que le développement génétique des pièces du psautier ne se comprend bien qu'à partir de l'histoire de la rédaction du livre. Hossfeld et Zenger présentent le premier recueil davidique, donc les psaumes 3 à 41, comme le fond le plus ancien du psautier. Pour eux, de nombreuses compositions conservées dans ce recueil remontent à l'époque du premier temple. Elles ont été compilées à la fin de l'exil ou juste avant l'exil. Elles ont alors fait l'objet d'une première campagne de relecture. D'autres compositions plus récentes auraient été intégrés, psaumes 8, 15, 24, 29, 32, 36, vous avez un tableau dans mon texte, et le tout aurait été regroupé en quatre collections. Psaumes 3 à 14, sans les psaumes 9, 10, psaumes 15 à 24, sans 16, 19, 23, psaumes 26 à 32 et psaumes 35 à 41, 137, 39, 40. À ce premier stade de sa formation, le recueil des psaumes de David est l'expression de la prière d'une communauté qui se reconnaît pauvre et persécutée et qui veut vivre en juste sous le regard du Seigneur. Au milieu de leur détresse, ces pauvres proclament leur certitude d'être bientôt sauvé par le Seigneur. L'insertion des psaumes 16, 19, 23, 25, 33, 34, 37, 39, 40 est contemporaine d'une deuxième campagne de relecture, notamment l'élargissement des psaumes 18 et 22, en fonction d'une théologie où le mot « pauvre » ne désigne plus une situation sociale, mais une catégorie
religieuse. Nous sommes à l'époque perse. Ces pauvres représentent un groupe particulier à l'intérieur de la communauté du retour. Ils ont la conviction de représenter le véritable Israël qui, harcelé de toutes parts, tient bon grâce à l'assurance que le Seigneur et l'ordre du monde voulu par lui finiront par s'imposer. Le psaume 9-10 est représentatif de la théologie des rédacteurs du début de l'époque hellénistique, ou plus vraisemblablement de la fin de l'époque perse. Pour ces rédacteurs, le pauvre désigne Israël tout entier, menacé par ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Cette étape correspond, elle aussi, à une campagne de relecture des pièces déjà insérées dans le recueil. Nouvel élargissement du psaume 22. Les éditeurs de cette époque ont relié le premier psautier davidique au psaume 42 à 88, qui, eux aussi, ont leur propre histoire. Le cadre programmatique qu'ils ont donné à l'ensemble ainsi constitué, cadre programmatique, c'est-à-dire le début du psaume 2, le psaume 72 et le psaume 89, rappelle les promesses dont la maison de David était porteuse et invite le pauvre Israël à se reconnaître dans la personne du Fils royal du Seigneur. Gianni Barbiero a confirmé et affiné cette structure en montrant que les mêmes thématiques étaient présentes d'un bout à l'autre du livre, mais avec des déplacements importants par rapport aux deux exégètes allemands. Et comme cette question va faire l'objet de la conférence qui suivra, je n'entre pas dans le détail. Soit dit en passant, les auteurs dont je viens de parler s'accordent pour reconnaître, à la suite de Pierre Auffray et avec beaucoup d'autres auteurs, une structure concentrique dans la section constituée par les psaumes 15 à 24. Psaume 15 commence par « Seigneur qui résidera sous ta tente ». Psaume 24, verset 3, « Qui montera à la montagne du Seigneur ». Cette section 15 à 24, Suzanne Gillingham l'appelle « les psaumes d'une liturgie d'entrée structurée autour du psaume 19, éloge de la Torah ». Ce consensus a été bridé récemment par Roland Menet, qui propose une autre structuration du premier livret du psautier. Le même auteur vient de proposer une analyse rhétorique du deuxième livret du psautier, donc les psaumes 42 à 72. Roland Menet y repère cinq sections qui se répondent de manière concentrique autour de la section des cinq psaumes, le David Miktam, de David à mi-voix, où le psalmiste s'adresse à ceux qui sont chargés de prononcer la justice, mais qui se comportent comme des lions et des vipères, dont les crocs et le venin sèment la mort. Ces ennemis occupent toute la superficie de la section. À leur grognement répond la parole de supplication et finalement d'action de grâce pour le salut reçu de Dieu. On est loin ici, tant par les dispositions méthodologiques que par les résultats obtenus, de la représentation que Stéphane Attard donne du livre 2 dans sa dissertation publiée en 2016. L'exégète maltais répartit la matière du livre en deux sections, psaume 42 à 51 et psaume 52 à 72, bâti en parallèle, dont la seconde apporte une réponse à travers la vie de David au cri d'angoisse de la première devant l'exil et ses épreuves. Donc, je n'entre pas davantage dans la discussion des deux structurations, je signale simplement qu'il y a matière à débat. Le psautier éloïste. Pour Hossfeld et Zenger, le premier recueil davidique est antérieur au psautier éloïste, les psaumes 42 à 83. Et c'est l'opinion de la majorité des exégètes, c'est la position classique, vous voyez l'ABJ en 1950.
Mais ce n'est pas l'avis de Christophe Reusel et Martine Rose. Ces auteurs considèrent le deuxième recueil d'Avidique, Éloïste, comme le noyau à partir duquel le livre s'est formé. À l'époque de l'exil babylonien, sans temple ni royauté, David, le roi d'avant le temple, a été perçu comme un modèle de piété personnelle, conformément à l'image que donne de lui l'historiographie deutéronomiste, qui décrit David dans toute son humanité, avec ses succès et ses fautes, ses péchés et leur rémission, exposé aux persécutions et protégé par son Dieu. À cette époque de l'exil babylonien, David est devenu le patron des psalmistes et on lui a attribué des psaumes où s'exprime cette piété personnelle. Ces psaumes ont été mis en relation avec des situations précises de sa vie décrites dans l'œuvre deutéronomiste et évoquées dans les titres des psaumes 51 de David, quand le prophète Nathan va le trouver après qu'il fut allé vers Bethsabée, 52 de David, quand Doeg l'Édomite vint avertir Saül et lui dit « David est entré dans la maison d'Ahimélec », 54 de David, lorsque les Iphéens vinrent dire à Saül « David n'est-il pas caché parmi nous ?» 56 de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath, 57 de David, lorsqu'il s'enfuit de devant Saül dans la grotte, 59 de David, quand Saül envoya garder sa maison pour le mettre à mort, 60 de David, quand il guerroyait contre Aram Naharaïm et Aram de Soba, et que Joab vint battre Édom dans la vallée du sel, 12 000 hommes, 63 de David, quand il était dans le désert de Juda. Ainsi est né, d'après Reusel et Rose, le recueil des psaumes 51 à 72, le recueil des prières de David, fils de Jessé. Lors du retour d'exil, quand le temple a été reconstruit, les chantres ont joint à ce recueil celui des psaumes d'Asaph, qui l'encadre de manière à ce que les prières individuelles deviennent des louanges liturgiques. La phase suivante d'accroissement a été l'adjonction des psaumes des fils de Corée, 42 à 49, placés en tête de la collection précédente. L'ensemble de ce recueil a subi une harmonisation rédactionnelle. Le tétragramme a été remplacé, non systématiquement, par Elohim, en raison probablement de la politique religieuse de l'Empire perse visant à favoriser les dieux internationaux au détriment des dieux nationaux. C'est seulement à un stade ultérieur que la collection des psaumes de David, 3 à 41, a été mise en tête du recueil et que quelques autres psaumes de Corée ont été joints en annexe. Cette recrudescence du prestige davidique pourrait être une répercussion des espoirs qui s'étaient placés sur la personne du davidide Zorobabel. Comme l'époque de Zorobabel était une période d'attente messianique intense, le recueil a reçu une nouvelle introduction, psaume 2, et une grande conclusion, psaume 89. Reusel et Rose rejoignent Hossfeld et Zenger pour admettre l'existence d'un psautier messianique encadré par le psaume 2, au moins les versets 1 à 9, et par le psaume 89. Un autre point commun à ces auteurs est qu'ils multiplient les éditions intermédiaires du psautier. Voilà pour les points communs entre Reusel et Rose d'une part, Hossfeld et Zenger d'autre part. Les différences n'auront échappé à personne. Martine Rose représente la formation du psautier messianique comme un emboîtement successif de poupées russes, alors que pour Hossfeld et Zenger, chaque étape de la formation du recueil consiste non seulement dans l'ajout de nouveaux psaumes, mais aussi dans une relecture des pièces des collections plus anciennes. Reusel et Rose envisagent autrement que Hossfeld et Zenger les étapes qui ont abouti au psautier messianique. Ils partent du deuxième psautier davidique, alors que Hossfeld et Zenger partent du premier psautier davidique.
Dans l'hypothèse de Reusel et Rose, le deuxième psautier davidique, en tant que collection, a d'emblée été conçu comme le journal intime de David. Cela signifie que les titres historiques ou biographiques du deuxième recueil davidique sont contemporains de la constitution du recueil. Hossfeld et Zenger se représentent les choses autrement. Pour eux, on peut distinguer, dans le deuxième recueil davidique, un noyau primitif formé de psaumes qui supposent une situation de conflit et de persécution, situation qui semble bien être celle de l'exil, pendant lequel Israël a dû apprendre à exprimer sa piété en dehors du cadre institutionnel du Temple de Jérusalem. Peu de temps après le retour d'exil, cette collection a été élargie pour devenir le recueil davidique que nous connaissons, psaumes 51 à 72. L'évocation de David est transparente dans l'encadrement de la collection. Le psaume 51 rappelle son péché. Les psaumes 69 à 70 proposent un résumé de sa vie qui met en évidence la persécution dont il a été victime et son zèle pour la maison du Seigneur. Le psaume 71 représente la prière du roi au soir de sa vie et le psaume 72 son testament. La collection a été conçue comme le second volet d'un diptyque dont le premier est formé par les psaumes 3 à 41. David est ici non pas encore l'auteur présumé, mais le personnage de référence en fonction duquel les psaumes doivent être interprétés. Ce travail rédactionnel devrait être attribué aux chantres azaphites qui ont encadré la composition avec des psaumes provenant de leur guilde de chantres lévites. Autre différence encore, Martin Rose situe la formation du psautier messianique au début de l'époque perse, alors que Hossfeld et Zenger le situent à la fin de l'époque perse. Dans l'hypothèse de Reusel et Rose, cela fait beaucoup d'éditions successives à situer à l'époque de Zorobabel. L'hypothèse selon laquelle les psaumes 2 à 89 auraient constitué une édition intermédiaire du psautier, probablement sans le psaume 86 qui aurait été ajouté au dernier stade de l'édition du psautier, est partagé par de nombreux exégètes. Contre l'existence de ce psautier messianique, certains exégètes ont élevé au moins deux objections. La première objection consiste à dire que les psaumes 1 et 2 se répondent et qu'ils sont conçus comme un diptyque encadré par un macarisme. Début du psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas, etc. Fin du psaume 2, heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Il faudrait donc situer leur insertion dans le psautier au même stade éditorial. À vrai dire, cette objection n'est pas fondée. Les psaumes 1 et 2 forment effectivement un diptyque, mais ceci est le résultat d'une opération rédactionnelle. Un état plus ancien du psaume 2 a pu servir d'introduction à un état plus ancien du psautier. La deuxième objection est que dans l'hypothèse évoquée plus haut, le psautier messianique se termine sur une vigoureuse interpellation adressée à Dieu. « Où sont-elles, Seigneur, tes grâces d'autrefois que tu as jurées à David dans ta fidélité ?» Et que, à cette étape de la formation du psautier, cette angoissante question reste sans réponse. Y a-t-il vraiment eu une forme de psautier qui s'achevait sur une question sans réponse? Suffit-il de dire, avec Steinmeier, que le psautier messianique se termine de façon ouverte, dans l'attente d'un changement de la situation que l'on déplore? Dans la composition littéraire du psautier, j'ai émis l'hypothèse d'un psautier messianique s'achevant sur le psaume 83, c'est-à-dire à la fin du psautier éloïste, sans les suppléments coréites yavistes. L'inclusion entre le psaume 2 et le psaume 83 avait déjà été remarquée par Paul de Lagarde. Le thème de la coalition des peuples païens est traité de façon similaire de part et d'autre. Au psaume 83, une coalition de 10 nations venues de partout et de différentes époques de l'histoire se concerte contre Israël. Ce n'est donc pas une situation précise qui est décrite ici,
mais la condition permanente d'Israël en butte à l'hostilité des nations pour cette unique raison qu'il est le peuple de Dieu. Tous connaîtront l'épouvante, verset 16, comme au psaume 2, 5, au jour de la colère du Seigneur. L'éditeur qui a réuni le psautier Éloïste au grand recueil davidique du premier livre des psaumes a pu ajouter le psaume 2 pour préfacer l'ensemble. Je dois reconnaître que cette hypothèse n'a trouvé aucun écho. Nous en arrivons aux deux derniers tiers du psautier. La première question qu'il faut se poser est aux deux derniers livrets du psautier, psaume 90 à 150. La première question qu'il faut se poser est de savoir s'il s'agit bien de deux livrets distincts. La division du psautier en cinq livres repose sur la présence de formules de bénédiction en finale des psaumes 41, 72, 89 et 106. Ces bénédictions ont été interprétées comme la marque distinctive d'une fin de livre, alors que le psaume 150 a été considéré comme la conclusion à la fois du cinquième livre et du psautier tout entier. Alors, les trois premières doxologies coïncident avec la finale de collection clairement identifiable, respectivement le premier recueil davidique, le deuxième recueil davidique, le recueil lévitique des psaumes d'Asaph et de Corée. Dans ces trois cas, les doxologies ont clairement pour fonction de souligner la fin d'un groupe de psaumes, ce qui ne signifie pas que ces trois doxologies proviennent d'un même éditeur et qu'elles peuvent être détachées des psaumes à la fin desquels elles se trouvent. Au contraire, elles concluent et le psaume et le livret. Vous voyez les publications de Gianni Barbiero mentionnées dans la bibliographie. Qu'en est-il de la doxologie du psaume 106 ? Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël de toujours à toujours, et que tout le peuple dise Amen, Alléluia. Le psaume 106 forme avec celui qui précède et celui qui suit une série de trois psaumes caractérisés par un même incipit, Hodu l'Adonai. Cela signifie-t-il que la doxologie, qui fait intégralement partie du psaume 106, ne joue aucun rôle structurant, puisque 105, 106 et 107 semblent bien former une triade, et qu'il n'y a pas de quatrième et de cinquième livre distincts? Ou bien, le psaume 106 a-t-il été expressément choisi pour clore la série des psaumes 90 à 106 parce qu'il possédait déjà une doxologie appropriée? En faveur de la deuxième hypothèse, on peut argumenter à partir de la présence d'un Alléluia à la fin des psaumes 104, 105 et 106, pas 107, 106 ayant également un Alléluia initial. Le psaume 107, par contre, n'a ni Alléluia initial ni Alléluia conclusif. Wilson a montré que dans le grand rouleau de la grotte 11 de Qumran, les psaumes alléluiatiques étaient utilisés pour marquer la finale de séries plus ou moins longues de psaumes. Cette même technique se retrouve dans le psautier canonique, où le psaume 135, avec Alléluia initial et conclusif, sert de conclusion au psaume démonté. C'est mon hypothèse, j'y reviendrai. Et où les psaumes 146 à 150, chacun avec Alléluia initial et conclusif, constitue la finale du recueil tout entier. La présence d'un Alléluia à la fin des psaumes 104 à 106 suggère qu'avec ces psaumes s'achève la série des psaumes 90 à 106. Un éditeur aura voulu présenter cette série comme un livre faisant suite aux trois premiers, et dans cette intention, il aura choisi comme dernier psaume de la série une pièce possédant une bénédiction conclusive qui pouvait rappeler les doxologies des psaumes 41, 72 et 89. Le cinquième livret se conclut-il comme les précédents par une doxologie?
On dit assez souvent que c'est le psaume 150 qui remplit cette fonction, mais il n'en a pas les caractéristiques formelles. Par contre, le dernier verset du psaume 145 offre l'écho d'une doxologie, le Rolam Varet. Ces derniers mots se présentent comme une surcharge dans le texte actuel du psaume. Ils pourraient être l'organe témoin d'une doxologie qu'a conservé le rouleau de la grotte 11 en finale du psaume 145. Béni soit Adonai, béni soit son nom à jamais et pour toujours. Dans mon hypothèse, le psaume 145 fournit la doxologie du livre 5 juste avant le Hallel final qui conclut le dernier livre et le psautier tout entier. On voit alors le double macarisme du psaume 144, verset 15, le dernier verset, faire inclusion avec celui qui encadre l'introduction bicéphale du psautier. Psaume 1.1, heureux l'homme qui ne marche pas. Psaume 2.12, heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Dernier verset du psaume 144, heureux le peuple pour qui il en va ainsi, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Wilson a proposé une structuration du cinquième livret du psautier fondée sur la récurrence de la formule « Célébrez Adonai car il est bon, car sa fidélité est pour toujours » à l'incipit des psaumes 107, 118 et 136, ce qui autorise à délimiter trois sections, 107 à 117, 118 à 135, 136 à 150, dont chacune est conclue par un ou plusieurs psaumes avec « Alléluia ». Les psaumes qui ouvrent les trois séries, 107, 118, 136, sont trois célébrations du Chesed divin, tel qu'il s'est manifesté à travers les éléments fondateurs de l'Exode, conçus comme le prototype des libérations ultérieures. Au psaume 136, Israël rend grâce au Seigneur pour son œuvre de création et surtout pour la libération de la servitude en Égypte et pour l'installation en Canaan, en rappelant les forces hostiles, Pharaon et son armée, la mer, les royaumes païens et leurs rois, contre lesquels le Seigneur a protégé son peuple. Les psaumes inauguraux de chaque section se répondent. Les psaumes conclusifs se font écho. Le très bref psaume 117 se présente comme la conclusion des psaumes qui précèdent, dont il tire la conséquence pour les nations. Celles-ci sont invitées à louer et à fêter dans le Seigneur le vaillant d'Israël qui manifeste envers son peuple une fidélité et une loyauté tout à fait privilégiées. On trouve ici, ramassé en deux versets, une thématique qui sera reprise et développée dans le Hallel final. Le psaume 135, en finale du deuxième groupe, fait inclusion avec le psaume 118 qui ouvre la deuxième série. Il se présente comme un appendice au psaume démonté, auquel il se raccroche en démarquant de très près l'incipit du psaume 134. La formule « Béni soit Adonai depuis Sion, lui qui demeure à Jérusalem » qui conclut le psaume 135, rend au Seigneur la bénédiction qui lui est demandée au psaume 134, verset 3, et marque une césure comme le font les doxologies à la fin des quatre premiers livrets des psaumes. Pour le fond, le psaume 135 célèbre en Adonai le bienfaiteur d'Israël par opposition au Dieu des nations, incapable de sauver leurs adorateurs. Ainsi, les psaumes qui concluent les trois séries ont-ils en commun de rappeler que le Seigneur a fait alliance avec un peuple particulier, à travers le destin duquel il se révèle aux yeux même des nations, comme le seul vrai Dieu. Je rejoins ici Judith Gartner pour parler du caractère rédactionnel du psaume 135, conçu comme un pont entre les psaumes démontés qu'il prolonge et la suite qu'il appelle. Bien. Je vais un peu avancer. Enfin bon. Telle n'est pas la structure privilégiée par Tsenger qui structure les psaumes 107 à 145 concentriquement autour du psaume 119
encadré par deux collections liturgiques, d'un côté le Hallel de Pâques, de l'autre les psaumes démontés avec leurs compléments, et comme cadre extérieur, deux séries de psaumes davidiques conclues par une ou deux compositions alphabétiques. Cette structuration est très proche de celle proposée récemment par Roland Menet. La seule différence principale est que Menet rattache les psaumes 135 à 137 à la dernière sous-section. Le point commun à tous ces auteurs, y compris Auwers, est qu'ils font du Hallel final, psaume 145 à 150, la conclusion de l'ensemble du psautier et non du livre 5 seulement. Cela dit, les étapes de la formation des deux derniers livrets du psautier sont elles aussi difficiles à cerner. Westermann envisageait une étape significative de la formation du psautier, un recueil allant du psaume 1 à 119. Selon cette hypothèse, la collection des graduels et les psaumes suivants auraient été ajoutés après coup à un psautier qui se terminait sur le psaume 119. Ce recueil intermédiaire était encadré par deux compositions sapientielles faisant l'éloge de la Torah, 1 et 119, et n'avait comme collection aucune fonction cultuelle, mais indiquait le chemin de la piété légaliste. À cette hypothèse, on peut y opposer celle de Klaus Koch et Erich Zenger. Semblable aux différences entre la composition et la théologie du 4e et du 5e livre, Koch et Zenger estiment que ces deux derniers livres ont été ajoutés l'un après l'autre aux trois premiers. Entre le psautier messianique, psaume 2 à 89, et le psautier actuel, il faudrait situer une étape intermédiaire en quatre livrets où les psaumes qui concluent chaque livret donnent la progression thématique de l'ensemble. Le psaume 41, la persécution. Psaume 72, la promesse messianique. Le psaume 89, la non-réalisation de cette promesse. Le psaume 106, l'accomplissement de la promesse faite par le Dieu de l'Alliance qui vient en personne comme roi de toute la terre. En mettant l'accent sur le règne universel du Seigneur, le 4e livre ne laisse aucune place au messianisme davidique qui réapparaît cependant dans les psaumes de David du 5e livre. Ce serait un indice de deux niveaux de rédaction successifs. Hosfeld et Zenger situent la clôture du psautier dans les années 200-190 ou même 200-150. Ce n'est pas une position extrême, puisque Manfred Oehming abaisse la rédaction du psautier jusque dans les années 180 avant Jésus-Christ, et que Wilson prétend que l'arrangement canonique du psautier n'a pas vu le jour avant le début du 1er siècle de l'ère chrétienne. Selon lui, le psautier serait resté dans un état de fluidité jusqu'à ce moment-là. Position extrême qui obligerait à dater la traduction grecque du psautier de la fin du 1er siècle de notre ère, ce que les spécialistes de la Septante ne sont pas prêts à admettre. À l'opposé, Cortese situe la rédaction finale du psautier vers 400. Son argument principal est que 1 Chronique 16 cite la finale du psaume 106 avec la conclusion doxologique qui, étant la marque d'une fin de livre, serait attribuable aux derniers éditeurs et supposerait la clôture du recueil. Mais si on suit mon raisonnement, cet argument n'est pas valable. La doxologie conclusive du psaume 106 n'est pas un élément rédactionnel, mais bien l'authentique finale du psaume 106. Dans mon hypothèse, le psaume 106 a été choisi pour clore le livre 4 parce qu'il possédait la finale ad hoc. Bernard Goss conclut sa récente monographie « L'espérance messianique davidique et la structuration du psautier » 2015 sur l'impossibilité de proposer une date pour la clôture du psautier. Des dates sont illusoires, sont les derniers mots de l'ouvrage. Je me rends bien compte que mon exposé ne contribue pas beaucoup à clarifier les étapes de la formation du psautier. Mon but principal est ici de mettre en évidence les points controversés et les incertitudes. Deuxième point, peut-on maintenant préciser le profil littéraire et théologique du psautier?
D'accord. Cela ne va pas de soi. Si le psautier est bien le livre le plus malléable de tout le canon, et surtout si les psaumes ont été écrits comme des pièces à usage multiple. L'observation la plus évidente est que les lamentations et supplications sont plus nombreuses que les hymnes au début du psautier, et que la proportion s'inverse à la fin du recueil, où dominent les hymnes et les actions de grâce. Je passe au paragraphe suivant. Dans un article déjà ancien, Wilson a montré que les psaumes royaux constituaient l'ossature du psautier. Placés à la fin du recueil davidique, en tête du recueil davidique, le psaume 2, quelle que soit la manière dont on l'interprète, mentionne un décret du Seigneur dont le contenu renvoie à l'oracle de Nathan. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ainsi est d'emblée évoquée l'alliance que Dieu a conclue avec la maison de David. Au terme du deuxième livre des psaumes, le psaume 72, comme dernière des prières de David, dresse à l'intention de Salomon et de ses successeurs le portrait idéal du roi selon le cœur de Dieu. Il rappelle le « pour toujours » de l'oracle de Nathan. Entre ces deux psaumes qui évoquent respectivement l'établissement et la transmission de la royauté davidique, les psaumes 18 et 20 et 21 manifestent une pleine confiance dans la monarchie. Le psaume 18 se termine sur le rappel que Dieu témoigne bienveillance envers son oint, envers David et sa descendance pour toujours. Le psaume 20 est une prière en faveur du roi. On demande à Dieu de répondre au roi au jour de malheur et de le soutenir depuis Sion. Fort de la promesse du psaume 2, le lecteur du psautier ne peut imaginer que cette prière reste sans réponse. Et de fait, le psalmiste affirme son entière certitude que le salut du roi est déjà garanti, un salut dont le psaume 21 célèbre joyeusement la pleine réalisation. Le roi a demandé la vie, Dieu lui a donné de longs jours pour toujours et à jamais. Il a fait de lui une bénédiction pour toujours. Et c'est sur ce mot « pour toujours » que s'achève le livre 1 « Tu me placeras en ta présence pour toujours ». Le ton change complètement à la fin du livre 3. Le psaume 84 prépare directement le psaume 89. Ce roi, à qui Dieu a donné une onction d'allégresse en le préférant à tous, est dans une situation critique. Et le Dieu des armées est supplié de regarder le visage de son oint. Le psaume 89 constate la faillite de l'institution monarchique. Il rappelle avec insistance les promesses divines envers David et sa maison, promesses qui sont contredites par l'effondrement de la royauté. Qu'est devenue l'alliance inviolable? Qu'est devenu un trône établi comme les jours des cieux? Les psaumes 37-38 réaffirment que la pérennité de la maison davidique est à la mesure de l'immutabilité du soleil et de la lune. Cet article de foi rend d'autant plus scandaleux le triste état où est tombée la monarchie. Le psalmiste s'en indigne dans la dernière partie du psaume. Le quatrième livre du psautier apporte une réponse aux protestations du psaume 89. Le psaume 90 est, comme le précédent, un cri d'indignation devant la fureur du Seigneur. Mais en donnant la parole à Moïse, le psaume 90 prend un recul qui lui permet de porter l'attention sur un passé plus lointain. Moïse, homme de Dieu, est ainsi convoqué pour attester de la fidélité divine. Dieu, qui a été un refuge dans le passé, longtemps avant que la monarchie ait existé, le sera encore maintenant que la monarchie n'existe plus. La voix qui, au psaume 89, interroge sur l'avenir de l'alliance avec David est ainsi renvoyée au passé pré-monarchique d'Israël et aux premières alliances. Le psaume 105 évoque lui aussi les oints que Dieu ne laisse pas opprimer. Mais le terme désigne ici les patriarches. Moïse n'a connu qu'un seul roi pour son peuple,
c'est le Seigneur. Et c'est précisément la royauté divine que célèbrent les psaumes du règne du Seigneur, tout en annonçant sa pleine manifestation. Dans cette perspective, ce sont les psaumes du règne du Seigneur qui, en tant que réponse à la question de l'avenir sur les promesses faites à David, constituent le cœur théologique du psautier, auquel il donne une ouverture eschatologique. Le jour vient où tous les peuples verront la gloire du règne du Seigneur, gloire que les souverains de la maison de David ont échoué à faire connaître. Le Hallel final dénonce à son tour la vanité du secours qu'apportent les princes et exalte le Seigneur pour son règne divin. De manière très caractéristique, le psaume 149, s'il reprend en une vaste inclusion le vocabulaire et les thèmes du psaume 2, ne connaît plus comme roi que le Seigneur. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les fils de Sion se réjouissent en leur roi. Dans cette perspective, le psautier est construit de manière à répondre à la question de la fidélité de Dieu à sa propre parole et plus précisément aux engagements qu'il a pris envers David, engagements qui sont démentis par les faits. Il y a une intrigue, si on peut employer ce mot, qui se noue autour de la question du psaume 89 « Où sont-elles, Seigneur, tes grâces d'autrefois que tu as juré à David dans ta fidélité ?» Je vais passer directement à la troisième, je ne vais pas parler des objections parce que je n'ai plus le temps, et je vais directement passer à la troisième partie de mon exposé, le psautier, pourquoi faire ? Traditionnellement, le psautier est présenté comme le livre des prières du Second Temple. Du fait que l'on chantait des psaumes dans le Temple de Jérusalem, on a conclu que le psautier en était l'hymnaire. Et Suzanne Gillingham n'imagine pas d'autre milieu éditorial pour le psautier que les cercles lévitiques. Il est vrai que des séries entières de psaumes sont attribuées à des lévites. 12 psaumes sont attribués à Asaph, 11 aux fils de Corée, à quoi il faut ajouter 3 psaumes mis en relation avec Yedutun, un rapporté à Éman, un autre à Éthan, personnages qui furent des chantres lévitiques du temple pré-exilique. Quelques titres de psaumes contiennent des indications qui ont trait à l'usage liturgique, pour la dédicace de la maison, pour commémorer, etc. De nombreux versets de psaumes renvoient à certaines pratiques liturgiques. Ils évoquent l'entrée au temple avec prosternation, le séjour sur la montagne sainte, les offrandes et les holocaustes, la louange dans la grande assemblée, le pèlerinage à Jérusalem, etc. On ne peut pas nier que les milieux lévitiques qui gravitaient autour du temple ont joué un rôle considérable dans la composition des psaumes, et pas seulement pour les psaumes des recueils lévitiques. Toutefois, les psaumes se donnent aujourd'hui à lire dans le cadre d'un livre. Au Sitz im Kult, c'est substituer un Sitz in der Literatur, affirmation qui n'est pas admise par Wilgren. Prenons un exemple. À la suite de Gunkel, de nombreux exégètes interprètent le psaume 15 comme un rituel d'admission au temple. On parle de liturgie de la porte ou de Torah d'entrée, selon qu'on veut mettre l'accent sur le lieu supposé de la cérémonie ou sur les exigences imposées à ceux qui voulaient pénétrer dans le lieu sacré. En réponse à la question des fidèles demandant quelles sont les modalités d'accès, un prêtre ou un lévite, gardien de la porte, énumérait les conditions. À supposer même que le psaume 15 ait effectivement fonctionné ainsi, ce que nient plusieurs exégètes, le psaume a une autre fonction dans le recueil. Il ne donne plus accès au temple, il fait entrer le lecteur dans la série des psaumes qui suivent. Lu dans le contexte du psautier, le psaume 15 reçoit ainsi une fonction autre que lorsqu'il est resitué dans un Sitz im Leben kultuel. De même, le psaume 135, dont l'incipit « Louez, serviteurs du Seigneur, vous qui vous tenez dans la maison du Seigneur », démarque de très près le dernier psaume du recueil des montées, hein, psaume 134, « Louez, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison du Seigneur ».
Il a peut-être pour but de proposer au psaume graduel qui précède un point d'application autre que les fêtes de pèlerinage. Alors que le psaume 134 s'achève sur une formule de bénédiction au nom du Seigneur, bénédiction qu'il revenait normalement au prêtre de prononcer, la doxologie du psaume 135 est une acclamation qui n'a rien de spécifiquement sacerdotal. « Béni soit Adonai de Sion, lui qui habite Jérusalem. » Les serviteurs du Seigneur qui, au psaume 134, ne peuvent être que les Lévites qui se tiennent dans la maison du Seigneur durant la nuit, désignent ici clairement l'ensemble du peuple. 135:14, le Seigneur fait droit à son peuple, sur ses serviteurs il s'apitoie. Le temple a certainement dû avoir son hymnaire propre, mais les Lévites chantaient-ils vraiment dans le temple ? Tu ne veux pas de sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu ne l'agréeras pas. Le personnel du temple sciait-il la branche sur laquelle il était assis? Les psaumes 1 et 119 faisaient-ils partie du répertoire des Lévites? On peut en douter. Il semble bien que si on chantait des psaumes au temple de Jérusalem, le psautier canonique n'est pas l'hymnaire du temple. Du reste, plusieurs auteurs considèrent que l'exil a été un moment propice au rassemblement des conditions psalmiques, des collections psalmiques. Millart, Rösel, Rose situent même durant l'exil la première étape conduisant à la rédaction du psautier canonique. Dans l'hypothèse de Millart, le psautier éloïste a vu le jour en Babylonie comme un substitut, ersatz, par rapport au culte devenu impossible. Après le retour d'exil, le psautier a pu continuer à maintenir le lien entre la diaspora et Jérusalem en tant que cœur de la vie religieuse israélite. Chaque utilisateur du psautier, où qu'il se trouvât, pouvait se sentir en communion avec la communauté qui célébrait dans le temple. Leur éloignement empêchait les juifs de la diaspora de participer aux cérémonies du temple. Mais ils disposaient du livre des psaumes. Et à travers certaines pièces du recueil, ils pouvaient entendre la voix des Lévites en service dans la maison du Seigneur. Que le psautier ait assuré le lien entre la diaspora et le temple n'a pas empêché le psautier de devenir l'un des écrits de la bibliothèque sacrée. On voit bien que tout le processus d'élaboration du psautier dont nous avons parlé a abouti à la création du Sefer Tehillim. L'architecture que les éditeurs ont donnée au psautier est bien celle d'un livre et met en œuvre des techniques typiques des scribes, comme le procédé alphabétique. Le travail qui a consisté à lier un à un tous les psaumes par le moyen de mots crochets n'a guère de sens si le psautier est sans plus une collection liturgique. Par contre, cette recherche littéraire se comprend beaucoup mieux si les éditeurs ont voulu encourager et faciliter la lecture continue et la mémorisation du livre. Du reste, le psautier ne met pas en exergue le bonheur de l'homme qui prend part à la liturgie du temple, mais celui du juste qui médite la Torah jour et nuit. Bien que l'un n'exclue pas l'autre, l'accent n'est pas mis sur la participation au culte. Le psautier intègre, certes, des compositions qui étaient chantées au temple, mais il les resitue dans un contexte qui n'est plus liturgique. L'édition du psautier peut raisonnablement être située dans le milieu des scribes. Les scribes de Jérusalem, qui vivaient à l'ombre du temple, étaient bien placés pour constituer, en puisant notamment dans les trésors de la liturgie du temple, un livre destiné à faire nombre avec les autres livres qui se constituaient en corpus à la suite de la Torah et des prophètes et formaient la bibliothèque dans laquelle se reconnaissaient les communautés juives. C'est au milieu des scribes qu'il faut imputer l'édition du psautier. Ma thèse est donc que les éditeurs successifs du psautier ont voulu le configurer comme un livre de ce que nous appelons la Bible. J'en trouve confirmation au niveau de la dernière étape de la rédaction du psautier, dans le fait que le psaume 1, versets 2 et 3, démarque d'assez près le prologue de Josué, dont le but est de rattacher l'œuvre de Josué et le livre dont il porte le nom à l'œuvre et au livre de Moïse. Josué 1,
7 et 8, « Montre-toi fort et aie bon courage pour veiller à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin d'avoir du succès partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'épargne pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. C'est alors que tu réussiras en tes voies et alors tu auras du succès. » Psaume 1, « Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, tout ce qu'il fait, il le réussira. » Dans les termes du prologue, l'histoire de Josué montre comment la fidélité à la loi est récompensée et l'infidélité punie. Le psaume 1 remplit une fonction similaire à l'égard du psautier. Il présente le recueil comme une méditation de la Torah. Plus exactement, il invite à voir dans les psaumes une illustration de la thèse mise en exergue, la Torah est un chemin fécond et porteur de vie. Il est significatif que pour rapporter le livre des psaumes à la Torah, le psaume 1 reprenne les termes mêmes du prologue de Josué, c'est-à-dire qu'il présente le rapport du psautier vis-à-vis de la loi mosaïque comme étant similaire à celui des prophètes antérieurs à l'égard du Pentateuque. Par là, non seulement le rédacteur initie une lecture des psaumes faite dans la perspective de la Torah, mais il revendique aussi pour le psautier une place parmi les livres qui se constituaient en corpus dans le prolongement de la Torah. Vi ringrazio per la vostra attenzione.